Bonjour mes chers managers. Alors vous demandez comment donner le meilleur de vos collaborateurs. Alors on a vu comment communiquer un feedback avec la méthode sandwich ou comment exprimer quelque chose de négatif nourrissant ou rebooster un collaborateur en peu de temps. Alors pourquoi ça fonctionne? Mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les résultats qui ont été prouvés scientifiquement par le ratio de Losada. On sait que le bien-être des collaborateurs est une véritable source de rentabilité. Grâce au ratio de Losada, on peut booster leur performance et du coup la vôtre de façon significative. Alors Martial Losada est un chercheur qui a conduit une étude sur le lien entre l'harmonie au travail et la productivité. Alors, il y a eu des réunions professionnelles qui ont été filmées pour comptabiliser le nombre d'interactions négatives par rapport au nombre d'interactions positives. Et en fin d'année, les performances des différentes équipes suivies ont été chiffrées et évaluées. Et à partir de là, un ratio, appelé le ratio de Losada, a été dégagé pour déterminer le rapport optimal entre les interactions positives et négatives. Pourquoi ? Pour augmenter l'efficacité des échanges. Ce ratio est d'environ 3 commentaires ou expressions positives pour une interaction négative, si vous voulez que vos salariés, collaborateurs réussissent. D'où l'intérêt d'apprendre à bien formuler un feedback avec la méthode sandwich. L'autre avantage, c'est que les salariés seront plus enclins à oser innover dans un cadre défini, à exprimer des réflexions qui sortent un peu des terrains battus ou à relever certaines anomalies. En gros, pour vous sentir bien, vous allez avoir, on a tous besoin de 3 émotions positives ou stimuli positifs contre une négative. Alors, dopez vos collaborateurs en utilisant le ratio de Losada. Petit conseil du jour, utilisez le ratio de Losada pour passer une excellente journée. Optez pour l'alternance entre les tâches que vous aimez particulièrement et celles que vous aimez moins. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.